Notre espèce ne disparaîtra jamais! Nous sommes des guerriers qui asservissent des planètes entières. Depuis la nuit des temps, nous sommes faits pour nous battre. Ne nous sous-estimez pas. Même si j'ai disparu, mon esprit reste immortel. Je veux ce territoire. Il ne m'échappera pas. Dans quelques secondes, 5 vauriens envoyés de l'étoile du Nord arriveront sur Terre. Ils sont mon héritage, porteurs de ma fierté et de ma rage. Ouvrez bien vos oreilles, bande de larves. Voici venu l'heure de ma vengeance. Je tire une carte. Et donc, à toi. Faut entendre le bruit du garage qui s'ouvre. C'était le cerveau d'un bordel. Donc, il a fini son tour. On peut se demander pourquoi il a pas attaqué d'ailleurs, parce que il aurait pris un de plus, il serait passé à 14 grâce à ce cadeau, mais c'est vrai que j'ai mes petits chakras. Ouais, parce qu'il se méfie surtout d'un gros jutsu. Alors, ou d'un scalpel du chakra. Voilà, oui. La moindre technique en fait peut être dévastatrice. Moi je vais pouvoir appeler Ino. Carte voilà. Terre d'ailleurs. Voilà, avec des c'est... énormes boobs. Et donc, de elle avait 15 ans, normal. Bon. Et il y a pareil pour Jiraya. Et enfin, lui, il n'a pas les mêmes boobs, mais. Mais il y a quand même deux de Ancost. Donc j'appelle Ino Yamanaka. Bon, ça va être une carte de terre. C'est pas grave, puisqu'il ne faut pas la payer. Il n'y a pas de coût d'entrée. Auquel cas, j'aurais été embêté parce qu'il aurait fallu payer une carte terre. Et son deck est majoritairement vent. Mais en revanche, c'est une femme et elle est spécialisée en soins. Donc elle entre totalement dans le contexte. C'est une carte différente, par exemple, si vous regardez, elles sont différentes. C'est parce que c'est une édition spéciale de cartes que dans la série 21 et 22, je crois, où il n'y a pas d'effet en fait. Il n'y a que des caractéristiques et donc du coup, ils ont décidé de laisser beaucoup plus de place à l'image pour faire des jolies cartes. Oui, mais l'effet, c'est que, du coup, s'il n'y a pas d'effet, l'avantage, c'est qu'ils sont plus forts sont en puissance. Ils sont boostés et ils ont plus de mental. Ouais, plus de mental, ils sont plus costauds. Il n'y a pas d'effet, mais plus forts. Et 29. Le nom US, il me semble que c'est Vanilla, du coup, quand, pour ces cartes-là, comme ça. Il y en a d'autres, Vanilla, pas, avec des gros fonds. Il me semble, après je dis peut-être une grosse bêtise. Non, mais c'est probable. Enfin, c'est... Alors, du coup, je vais faire l'effet de Tsunade. Elle a son effet en deux parties en fait. On peut, d'une part, toujours à la phase mission de l'attaquant, payer un chakra pour lancer une pièce. Pour l'instant, ça s'explique pas trop, mais en fait, toutes les femmes habillées en kimono comme ça ont des effets qui sont quand vous lancez une pièce, faites ceci, donc ça peut être très intéressant. Et sinon, son effet qui coûte 0, que je vais appliquer maintenant, je paye 0. Donc, je paye pas quoi. C'est si on a 3 ou plus femmes en jeu, on déplace une carte vent jutsu du cimetière dans la main. Est-ce que tu veux répondre à la chaîne d'effets? Non. D'accord, donc on va pouvoir appliquer tout de suite. Je peux le faire seulement maintenant parce que vu que j'ai appelé Ino, j'ai Tsunade, Sakura et Ino, parce que Katsuyu compte pas comme étant une femme, c'est une limace. Et du coup, voilà, donc j'ai mes 3 ninjas femmes. Et donc je peux récupérer une carte jutsu de ma main, enfin du cimetière non, parce que c'est pas une femme. Et c'est Other, donc t'en as que 2. Ah, effectivement. Ah. Il faut toujours vérifier. Bien vu. Donc, if you have 3 or more Other, et ouais. D'accord. Donc ça sera pas à ce tour-là. Hop. Bon, bah alors on va attendre, tant pis. Donc, c'est pas grave. Déjà, je peux remplacer la limace par... Ino, en termes de capacité mentale, ça va être pareil, mais au moins elle est plus forte. Non, elle est mentale. Donc, mon équipe passe à 15 et toi 13. C'est vrai que le mental, on l'a évoqué là, mais on n'a pas montré. Parce que du coup, effectivement, le combat peut se jauger sur
les forces, la force physique, on va dire, ou selon certaines conditions, on passe en mental power et à ce moment-là, on se base sur ces statistiques. Après, on choisit pas de passer en mental parce que sinon, ce serait un peu horrible pour certains. Oui, non, il faut avoir une capacité, un effet voilà. qui fait qu'on passera en mental. Ouais. Ça me dérangerait pas parce que Tsunade a 3 en mental, Sakura a 3 en mental et Inu a 3 en mental. Et moi, j'ai que 3 en mental. Au total. Donc. Et ça marche pareil au niveau des valeurs, donc 9 contre 3, plus de 5, ça aurait été une victoire écrasante. Enfin, j'attaque. Vas-y. Avec cette équipe-là. Moi, je ne défends pas. 15. Tu ne défends pas. Est-ce que je vais tenter quelque chose? J'hésite. Allez, je joue paume curative. Ça peut paraître un peu absurde parce qu'en gros je vais pouvoir soigner les ninjas de l'équipe alors qu'il n'y en a pas besoin. Youpi. L'effet c'est surtout que ça va me permettre de piocher une carte. C'est aussi une partie de l'effet et j'aime bien piocher des cartes. Donc je mets les deux cartes nécessaires pour payer le jutsu et on applique l'effet puisque Augustin le regarde ne veut pas répondre. Donc je soigne la cible qui est l'équipe et je pioche ma carte. T'es pas obligé de soigner quelqu'un pour soigner. Ça, c'est un point important dont on avait parlé une fois. On peut soigner un ninja déjà soigné. Ah ouais, enfin, déjà valide. Ok, tu vois. Et après, même. Il y a des fait... gens qui contestent ça. Bon... Non, mais surtout, il y a un. J'ai déjà joué sur internet. Il y a Rod d'ailleurs qui m'a dit qu'on pouvait le faire. Il y a plusieurs Américains qui m'ont dit. Il y a d'autres Américains qui m'ont dit non. Non, mais surtout, il y a un point important. C'est que là. On peut le faire. La majorité m'ont dit oui. Mais là, en plus, dans ce cas, la question se pose même pas. Je vous explique pourquoi. Parce que le texte dit soigner la cible et tirer une carte. Ce qui fait que, en fait, je. C'est pas puis. C'est pas une application, en fait. Ouais. Il y a plein de cartes qui auraient pu dire. Dans ce cas. Soigner la cible, then, ou dans ce cas, traduit en français. In that case. Voilà, enfin, il y en a plein. Piocher une carte. Mais là, c'est les deux en même temps, indépendamment. Donc, même si j'avais personne à soigner, et c'est le cas, mais. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on joue avec des cartes US et françaises, si vous avez pas compris. Ouais. Il n'y a pas tout ça disponible en France. C'est-à-dire que. En fait, là, c'est. Il y a de toutes les séries, non Non, à partir de la 19. T'as pas en dessous de 19. Non, je crois pas. Ouais, donc et on n'a pas la 28, par contre. Dans la série 28, on va mener une politique contre. C'est une série française qui, effectivement, on ne peut pas trop exploiter. Dans mais une voilà. Autre vidéo, si vous voulez. En attendant, on ne joue pas avec et elle ne nous plaît pas trop, donc voilà. Bon, donc j'ai fait ma technique dans le vide, j'ai pioché ma carte, je suis content. Est-ce que tu m'as donné mes gains? Non, parce que c'est pas fini, on sait jamais, peut-être que tu peux. D'ailleurs, moi je vais faire l'effet d'Itachi. Je vais put in play sous un autre. Donc je fais l'effet d'Itachi, je donne 3 récompenses de combat et je put in play un Susanoo Ninja en payant avec Power of Sharingan. Donc du coup, ce que ça va faire, pourquoi donner 3 récompenses de combat comme ça alors que je suis un peu dans la mouise, c'est que l'effet de Susanoo, ça fait que mon adversaire ne peut pas gagner la partie grâce au critère Battle Reward, donc récompense de combat, donc même si il en a pris 10, il ne peut pas gagner la partie, et je peux pas perdre à cause de ça. Voilà. Tant que Susanoo est en jeu, donc si j'arrive à m'en débarrasser, je pourrais le tuer ou bien non, cet effet peut pas être annulé, mais changer l'effet. Du coup, là, s'il n'arrive pas à se débarrasser de Susanoo, sa seule façon de te vaincre, c'est de te faire user tout ton deck. Voilà. Et je pense que donc le sien sera fini pour... avant, vu comment allez. Et donc, du coup, à l'affrontement, je te redonne 2 Battle Reward. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais bon, ils s'en moquent un petit peu. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Donc là, je passe tour 6. À moi. D'ailleurs, regarde. Donc je tire une carte. Bon, ça sert à rien de la montrer parce que je l'appelle directement. C'est Toby. Donc quand il est déployé, je cherche dans mon deck un ninja, une carte, et je la retire du jeu. Et quand ce ninja, enfin cette carte-là, devrait être retirée du jeu, donc retirée du jeu. N'importe comment, tant qu'elle est retirée du jeu, après, je mets cette carte dans les gains, et la carte que j'ai retirée du jeu, je la mets dans ma main. Donc, est-ce que... Non, j'ai pas besoin de la révéler, la carte que je cherchais, du coup. S'il n'y a pas écrit, pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc tu vas choisir une carte mystérieuse que tu vas retirer du jeu. Et que tu pourras reprendre ta main quand Toby sera mort.
Juste une petite précision, parce que du coup, je sais pas si ça a été fait. Il a déclenché l'effet d'Itachi pour faire rentrer Susanoo suite à ton effet à toi. Ou c'était une deuxième chaîne d'effet. C'était une deuxième chaîne d'effet. Ouais, enfin, voilà. C'est plus simple d'expliquer ça comme ça. Oui, du coup, oui, c'était une deuxième chaîne d'effet. Et effectivement, il a respecté le tour d'entrée donc, qui est de 6. Je sais pas si on le voit bien sur cette carte, c'est pas évident. Voilà, le petit 6. Parce qu'il était dans son tour 6, vu qu'en fin de tour. Il a monté son marqueur et même si l'adversaire était au tour 5, lui, Urgal, était au tour 6. Je vous la montre, moi, je suis gentil. Hop. Donc, il était chercher cette carte. Tu ne sauras pas. Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher, hein? N'importe quelle carte. La lumière céleste. Une bonne technique. Vu le chakra que t'as. Et donc. Maintenant. Alors, lui, il a quand même 3. Lui, il a 4, il est mieux. Donc, ici, j'ai 7 plus 3, 10 plus 4, 14. Et toi, tu as 11, 12, 13, 14, 15. Donc, j'attaque juste avec Tommy parce que j'ai intérêt à ce qu'il se fasse retirer du jeu. Moi, j'ai pas envie qu'il soit retiré du jeu, sinon il va prendre sa carte dans sa main. Donc, je défends avec un mini Katsuyu. Je. Pas lancer deux chaînes. Moi non plus, t'es blessé. Donc ma petite masse est blessée. Donc il y a 3 contre 0, pas 5, mais assez pour le blesser. À ce rythme-là, en fait, il pourra jamais tuer Toby s'il attaque toujours tout seul. Parce qu'à chaque tour, moi je peux soigner ma Katsuyu grâce à l'effet de Sakura. Et il peut toujours attaquer, je pourrais toujours défendre. Alors, il a intérêt à trouver une autre solution. Donc je pioche. Voici. Je vais mettre en jeu. La femme qui me manquait tout à l'heure pour pouvoir appliquer l'effet de Tsunade. Je mets en jeu Temari donc. Maintenant, j'ai bien 3 autres femmes que Tsunade. Ce qui me permet d'appliquer l'effet de Tsunade. Femme, elle, quand même. Je vais chercher donc, un c'est jutsu vent dans le cimetière. Alors, j'ai un peu l'embarras du choix. Je vais les mettre tous au-dessus. J'ai ça, 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 ça. Voilà. J'en ai 4 au choix. Et il me vient. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Celle-ci, c'est lancer des pièces. À chaque fois, j'ai pas de chance, alors éviter. Le scalpel chakra est sympa. Je vais prendre le kick of anger, le coup de pied de colère, de fureur, de ce qu'on veut. Je prends dans ma main. Je peux rappeler son effet si vous voulez. Qu'il faut être une femme pour l'appliquer. Et que ça va blesser la cible qui est un ninja opposé à l'utilisateur. Et s'il s'agit d'un mâle qui a un tour d'appel plus bas que le mien, je le mets en retrait. En stand-by. Voilà, donc je prends de ma main. Très bien. Ok. Donc ça c'est fait. Je vais mettre. Phase d'organisation. Voilà, je mettais Marie à la place de Ino. Pourquoi? C'est un truc un peu théorique et inutile. Quand Ino est blessée, elle a seulement un de soutien, alors qu'elle, elle aura deux. Ça aura certainement pas de différence, enfin, mais bon. Au cas où. Sauf si je. Le petit de là. Il y avait un avantage à avoir Ino. Si jamais j'avais Pain dans ce deck, je mettais Marie devant, t'es moins fort, alors que si t'avais Ino, elle avait quand même un. Et bon, ça, c'est. Donc tu as combien sur ton autre cas de figure? T'as combien? J'ai 14, pas assez pour t'attaquer. Et moi donc, j'ai plus que toi logiquement. Et si t'attaques... J'ai 12, j'ai 15. Je donc j'attaque. Je mets Toby. Eh ouais, bien joué. Il avait oublié. Il va... il se rappelle de ce que j'ai pris dans ma main et... Ah oui, c'est vrai. Donc il est moi pas non, j'avais oublié. Bim, stand by. Bon, alors. Ah, mais en fait, à tous les tours, il va me faire ça. Bah, non, il faudrait qu'il l'ait quand même à chaque bah, fois. Oui, mais il peut. Avec chaque fois, il peut. Bah ça. Oui, du coup. Et donc, du coup, le reprendre avec son année. Ouais, mais ça tourne bien, c'est une petite boucle sympa. Bon, bah, alors, effectivement, on va commencer par ça. J'ai un bel angle de vue sur Susanoo. Tous les traits là, noirs sont brillants. Bref. Donc, je joue Kick of Anger. Est-ce que tu veux répondre à ceci? Ou est-ce que tu peux répondre à ceci, en fait? Bah, j'ai pas de carte dans la main. Donc, je paye mes deux chakras. Hop. Ensuite, l'utilisateur, on va dire que c'est enfin, Tsunade, la femme la plus représentative de cette équipe. Donc, je vais blesser la cible, Toby.
Et vu qu'il est homme et qu'il a un coup d'entrée plus bas que le mien, on le met en retrait. Oui, c'est surtout que voilà, Tsunade, c'est pour ça qu'il faut que ce soit elle qui le joue, parce que les autres, c'est 3. Tour d'entrée 3 et l'autre tour d'entrée 1. Ah oui, effectivement. Donc, en fait, il faut que le coup d'entrée soit plus bas ou égal. Donc, ou égal. Ça aurait marché avec Sakura. Ça marche aussi. Ça aurait marché aussi. Mais bon. Donc, c'est sans doute pour ça que The Symbol of the Pearl Clan, je sais pas si c'est pour ça, mais c'est les cartes avec Uchiwa dans ma main. Enfin, dans ma main. C'est-à-dire que lui, il a pas moins 1 en transcost. Parce que c'est important dans ce cas. Ah oui, il faut qu'elle soit dans ta main. Donc, dans ma main pour avoir moins 1. Le mais kick-off... d'ailleurs, il a même pas Uchiwa dans son. Le Kick of Anger revient dans ma zone de chakra. Et je vais lancer maintenant une autre technique sur une nouvelle chaîne. Je lance Regenerative Healing Jutsu, donc Jutsu de soins régénérateurs, on va dire. Condition medical. Je vais le faire avec Tsunade encore, puisqu'elle respecte encore cette condition. Est-ce que tu veux répondre à ceci? Non, tu n'as pas de carte en main. Voilà. Non, je peux pas. Donc on va appliquer le truc. Je paye 1, pile ce que j'ai, ça tombe bien. Faut le payer au moment où tu joues, hein, pas, ouais, au moment où tu joues, ouais, pas au moment où il est résolu. J'ai oublié. Donc je vais déplacer X nombre de cartes de mon cimetière sur le dessus de mon deck dans l'ordre que je veux. X étant le nombre de ninja medical, donc soins, en jeu. J'en ai 1, 2, 3 et 4. Ils ont tous la mention medical. Donc en fait, cette carte est d'autant plus forte qu'on a des ninja medical. Si on n'a pas de ninja medical, elle sert à rien. Elle sert pas à grand chose. Mais là, je vais pouvoir prendre 4 cartes de voilà, de ma zone cimetière. Et les remettre dans mon deck, ce qui me permet en plus de me protéger un petit peu contre mon deck qui diminue en taille à chaque fois. Oui, puisque du coup, pour gagner, c'est soit obtenir 10 gains chez son adversaire, soit le mettre à 0. Ce qui fait que du coup, celui qui se retrouve à 0 meurt. Et dans ce cas, soit tu es sous anneau, soit me mettre à 0 mon deck. Voilà. Pour Urgal, effectivement, ça sert à rien que ce soit plus de 10. Par contre, si on vire sous anneau, du coup, hop, la victoire sera remportée. Ou, en laissant sous anneau, de vider le deck d'Urgal. Donc, il faut que je choisisse 4 cartes. Donc, ça peut être très long. Ouais. Mes 4 cartes, je vais essayer de les choisir bien. Je vais prendre déjà Shio, parce qu'elle a aussi Medical, et qu'elle est assez forte. Elle a quand même 4 en renfort. Corona, il n'y a pas de medical, mais bon, elle est quand même. Elle a un bon effet, elle est intéressante. Je vais remettre. Ils ont deux bons soutiens à 4. Voilà, comme j'ai Tsunade qui est forte en attaque, autant privilégier le soutien. Je vais. Ensuite, je vais mettre des techniques. Je vais mettre Scalpel de Chakra. Et Shizune, tant pis. J'aurais bien aimé prendre une autre Shizune, parce que j'en ai plusieurs types de Shizune. Celle-ci, c'est celle qui permet d'invoquer Tsunade, mais comme elle est déjà là, mais bon, tant pis. Donc les 4 cartes, je les remets sur mon deck dans l'ordre que je veux. Je vais mettre Kurenai d'abord au-dessus, enfin mes ninjas d'abord, et puis comme celle-ci n'est pas prioritaire, je préfère avoir mon scalpel avant. Je les mets dans cet ordre-là. Et la chaîne est fini, ça va dans mon chakra, on passe à l'affrontement. Je me retrouve donc à 15 contre rien et je prends encore 2 gains. De toute manière, les gains... Je vais me défausser mon deck comme ça. Mais du coup, les gains me permettent pas de gagner, mais là, maintenant, j'en ai 11 des gains. Ce qui fait que si Susano venait à disparaître, malheureusement, par l'effet du hasard, je remporterai la partie. Voilà. Jamais. À toi. Je tire une carte. Il va pas mettre énormément utile, mais bon. Bah, autant l'appeler, hein. Quoique. Ah, mais si, il va mettre utile. Bah oui. Et bah oui, bah oui. Je veux pas perdre à cause des gars. Bah oui. Donc j'appelle Ida. Je n'osais pas te le dire, mais. C'est un petit peu même. En fait, c'est le carré. C'est pas mal du tout, là. Bon. D'accord. Ou pas qu'il meurt. Et là, Kabuto fait un mardome. Je me rends compte que j'ai fait une connerie, j'ai oublié de soigner la limace comme j'avais prévu de le faire. Ah oui. Ce qui fait qu'en plus, il pourrait virer Toby. Non, peut-être pas. Enfin, au pire, je défendrai avec l'autre. Là, Et j'attaque avec Toby. Bon, bah du coup, je défends encore. Enfin, je peux pas défendre avec la limace, sinon elle va mourir. Enfin, avec elle. C'est à peu près kiff-kiff entre les deux. Voilà.
Donc résolution, elle est blessée. Il tape les limaces et les filles, toi. Et je dis à toi. Ok. Oui, c'est passe bon. Tour 8, vas-y. Tour 7 pour Kabuto. Je pioche une carte. Sans grande surprise, hein, d'ailleurs. Ah oui, Korenai, dis donc. Mais... Ah Et bah dis donc. D'ailleurs, là, il pouvait pas laisser passer le gamin parce qu'il savait que c'était Korenai qui était par-dessus. Ah oui, oui, ça c'est le désavantage. Quand tu mets tes cartes au-dessus et que tu dois laisser passer des gains, tu, tu sais ce que tu laisses passer. Ça fait un peu... Bon, alors maintenant, j'applique l'effet de Sakura. Je vais payer un chakra avant pour faire son effet. Est-ce que tu veux répondre? Est-ce que tu enclenches un effet? Non. Bon, alors je déplace une carte de mon cimetière dans ma zone chakra. Je vais prendre celle-ci. Comme elle est vent, je peux soigner un de mes ninjas. Je soigne Ino. Tu la préfères quand même à Limas? Ouais, une petite préférence. Et comme j'ai bien trois autres ninjas que Tsunade, trois autres ninjas femelles, je vais récupérer cette carte-là, Jutsu Caméléon, que j'utilise ensuite pour payer ma Kurenai que j'ai pioché. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, t'as Iden qui va arriver, je suis au courant. Je peux annuler ton effet d'ailleurs avec elle. Hein. Elle permet. Eh ben, il y a un chakra, elle annule un effet ciblé. Donc si tu m'embêtes avec Iden, je pourrais annuler ton effet. Ce qui fait que. Tu auras des chakras. Ce qui est drôle en plus, c'est que l'effet de. Non, pas celui-là, mais du coup, Iden Malédiction qui risque d'appeler bientôt. C'est que il peut pas être défaussé à cause des dommages. Mais si j'annule son effet, il pourra se défausser tout seul comme un con en se blessant. Non, et si t'annules l'effet de Susanoo, ça peut pas marcher. Il peut pas être annulé, et par contre, non, ça marche pas. Ah bah oui, pas. C'est l'effet précisé. Actif, si mais la carte américaine, c'est Activated Effect. Mais c'est pareil. Donc c'est l'effet activé. Oui, c'est les effets activés. L'effet qui ne peut pas être retiré en jeu, il n'est pas activé. Bon, d'accord, par contre, l'effet où je paye 2 et je me donne un dégât. Celui-là, il s'active, donc celui-là, tu pourras l'annuler. Il faut faire attention à ça, effectivement. Bon. T'as combien en force de combat dans ton équipe? Bah, toujours 14. Mais, d'accord. Mais j'ai Toby. Ah oui, pour le coup, j'ai pas récupéré de quoi le jarter. Bah oui, c'est pour ça que j'ai rigolé. Ok. Tu n'as pas repris le... Le kick. Oh, mais d'ailleurs, il a une autre carte de ce deck, le Fist of Anger, qui fait à peu près la même chose. Kurenai peut annuler un effet actif. Parfois il le fait et en fait Fist of Anger ça met dans la main carrément. Et donc du coup il me le fait sur l'arbitre, bof, dégage. Non, on peut ramener. Kurenai peut annuler un effet actif ciblé, donc elle peut aussi annuler un effet de Jutsu. C'est une polémique un peu, il y a des questions là-dessus. Non, c'est un Jutsu, non, t'annules pas un effet de ninja émission. Pourquoi Kabuto Kabuto qui est. C'est pour ça que je posais la question pour que ce soit clair. Je peux le montrer d'ailleurs. C'est le problème des traductions en français, c'est qu'il y a des imprécisions. Qui doit payer 2 et défausser une carte pour annuler un Jutsu, pourquoi elle payerait qu'un? C'est vraiment oui, non, ça, c'est un peu... injuste, alors que Kabuto, c'est un peu plus la classe de pouvoir. Non, non, mais c'est différent un Jutsu, effectivement. Bah, en fait, voilà. Donc 2, défausser une carte et annuler l'autre Jutsu. Mais... Dans ce cas, bah, ce qui se passe, c'est que j'attaque même pas parce que j'ai aucun intérêt à attaquer à part te faire gagner la carte que t'as cherchée tout à l'heure. Non, tu peux gagner un gain ou plus, les gains. Tu sais bien. Non, les gains ils servent à rien. J'ai déjà gagné, en termes de gains, j'ai déjà gagné la partie, mais. Donc c'est bon là. Je vais même pas m'embêter. Ouais, il est à 11 ou quoi. Après, une fois que je t'attaque, ça veut dire que je suis prêt à te virer Susanoo et à gagner. Rise!